Dans le grand entretien, le secrétaire d'État à la présidence en charge des services spéciaux, de la lutte contre la drogue et des crimes organisés a évoqué l'importation de bouillon cubes en Guinée. Colonel Moussa Tiegboro jure qu'il n'y a pas plus mécréant qu'un commerçant guinéen importateur de produits dangereux pour la santé à propos des cubes bouillon. Il tire la sonnette d'alarme et interpelle notamment le ministre du Commerce. Le bouillon, c'est un autre problème, en Guinée nous avons plus de 100 marques, c'était 116 marques en 2016 et cela dépasse l'Europe entière. La Chine populaire avec une population d'1,5 milliard d'habitants, n'a pas 10 marques de bouillon. Il n'y a pas plus kafir, KFR, que le commerçant guinéen. Ils vont à la mosquée pour rien, ce sont eux qui importent ça, sans aucun contrôle et ils savent que ça détruit, c'est pourquoi les jeunes filles mariées ont des difficultés de conception, c'est la cause. Les garçons aujourd'hui à partir de 45 ans, ils ont des problèmes. Ils ne sont pas efficaces et il faut se doper pour être homme, et cela ne peut pas continuer éternellement. Le bouillon Ajinomoto, vous le mettez sur un mouchoir blanc, vous mettez au moins une quantité dans l'eau et vous emballez la partie génitale d'un taureau, il est castré. Il ne peut plus faire quoi que ce soit, quand l'homme mange ça il est également castré. Les commerçants guinéens vont en Chine, ils disent aux Chinois de les fabriquer les bouillons, vous mettez crevettes, crapauds, lézards etc. Le marché guinéen est inondé, il y en a de trop. C'est juste pour tuer les gens, je jure sur l'honneur, l'insuffisance rénale est causée par le bouillon. Il n'y a pas un consommable plus dangereux que le bouillon, ils ont parachuté sur nos marchés ici, sans aucun contrôle. Ils sont en train de tuer tous les jours des Guinéens. Quand vous partez à l'hôpital, il y a toutes sortes de maladies pour tout âge, c'est en Guinée seulement qu'on voit ça. Nous sommes en danger mortel avec ces bouillons-là, ils viennent de partout, personne ne contrôle. On est en train de faire un écrit sur ça, pour l'adresser au ministre du Commerce parce qu'il faut finir avec cette histoire, a-t-il lancé dans cet entretien.